Et bien salut tout le monde, c'est Xeska, aujourd'hui on se retrouve pour la notre aventure sur Dying Light 2, ma petite Lucetus. Allez hop, on est chaud, on est beau, on est frêle comme un pinceau. Salut mademoiselle. Et Akon, qu'est-ce qu'il fait sur la liste? Parce qu'il a tué Lucas? J'aime bien ces poupées bleues, les pacificateurs. Mais non, rien à carrer de la mort de Lucas. Alors pourquoi? Alors ça, chérie, c'est une longue histoire pour un autre jour. Disons juste que tous ces noms méritent une balle dans la tête. Akon mérite sans doute bien pire. Merde! Ça a toujours été ouvert! On est enfermés dehors! Génial! C'est une installation du GRE, hein? Tu sors ça? Tu connais Dylan? Dylan m'a donné ça avant de mourir. Walls l'a tué. Putain! Il a fini par l'avoir. Et puis, Dylan m'a demandé de trouver une certaine Lawan. Tu la connais? C'est peut-être le destin. Peut-être que l'univers voulait que nos chemins se croisent. Quoi? Lawan, c'est moi. Dylan voulait contacter Frank. Il a dit que le commandant des pacificateurs, Lucas, avait trouvé quelque chose que Waltz cherchait depuis longtemps. Il voulait quitter la ville pour que Waltz ne mette pas la main dessus. La clé du GRE? C'est moi qui l'ai maintenant. Sans doute. Lucas est mort à cause de ce gadget. Dylan aussi. Alors fais attention, ou tu seras peut-être le prochain. C'est important. Pour Waltz, ça n'a même pas de prix, j'imagine. Alors t'as pas intérêt à le perdre. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Incroyable! Waltz a dû rallumer les générateurs! Waltz? Mais pourquoi? Aucune idée. Qui sait ce que ce taré a en tête? Allez! Magne avant qu'il s'arrête! Mesdames et messieurs, le train aura un peu de retard. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Prenez garde à la marche. Merci de votre attention. Eh ben, je t'en prie! Vite, Aiden! La voie a l'air libre vers la boucle centrale. Il y a de nouveau du courant dans la ville. Compteur d'inhibiteur détecté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? De course sur une courte période, ce qui permet de franchir... On va mettre ça. Aiden, par ici. Oui, j'arrive, Lawan. Ah. Putain, pourquoi on a que deux? Finalement trois, là. Allez, j'ai assez? Oh yeah. On y va ou quoi? Bah oui, on y va, j'ai pas trop chaud de toute façon. Je faisais du tourisme. Haha, très drôle. Ah, merde. Ah, merde. Regardez, des lumières aux yeux. Tout est illuminé. Putain, c'est incroyable. Venez sur le toit. On verra ça dans... Le sauveur arrive, on doit mener vers le ciel. Allez, Aiden, mine-toi! On doit aller voir ça sur le toit. Hé! Mais c'est où? Putain! Je me suis trompé. On voit rien du tout. Je pensais vraiment que ça marcherait. On s'est fait avoir, putain. Ah, dommage. Au moins, c'est tranquille.
Ouais, c'est pour ça que je viens ici quand j'en ai plein le cul. Donc très souvent, crois-moi. Regarde, Aiden, ils sont de retour. Putain, ils sont de retour. Tu vois ça, Aiden? Tu vois ça? C'est magnifique. Oh, j'arrive pas à y croire. Non, je peux vraiment pas y croire. Lawan, tu vois ça? Je vois ça, Danior. Je suis un poste d'observation. C'est tout un spectacle. Comment c'est arrivé? Sombre comme l'enfer pendant 15 ans et soudain ça? Je sais pas. Je sais. Mais on doit le découvrir. Alors passe à la cantine et parlons-en. Tu vas manquer comme la neige de l'année dernière, Loka. Tout en tirant des bières et en baisant les barman. Tu me connais, c'est un don. On se retrouve là-bas. Crétin. Il y a un problème. Oh non. Non, 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 non. Merde. Sérieux, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le fisheye. Comment on y arrive? Le fisheye devra attendre. Attendre? Mais pourquoi? On doit jeter un œil aux sous-stations. Il y en a une là, vers la tour des pacificateurs. Mais, et le fisheye? Écoute, je veux t'aider et je t'aiderai. On va faire ça ensemble. Mais il faut que tu comprennes. C'est la première... C'est la même situation depuis plus de 10 ans. 10 ans de cette putain d'obscur. Faut qu'on vérifie ça. Comment on fait pour rejoindre la sous-station? C'est un vieux parapente. Il t'aidera à atteindre des endroits difficiles d'accès. Allez, suis-moi. Quoi? Lawan, attends! Oh, merde. Alors, vous avez reçu un parapente. Maintenez Z pour utiliser le parapente. Appuyez sur S pour remonter. Et stabiliser. Ouf, ça a l'air compliqué. On verra bien, hein. Ouais! Vous allez me dire que c'est pas automatique quand on lance? Putain, attendez. Comment? Appuyez sur Z lorsque vous êtes dans les airs. Mais j'ai maintenu Z! Mais j'appuie sur Z! Putain, c'est W! Clavier QWERTY mes couilles! Oh là là! Allez! Pas mal, pour un débutant. C'est plus facile que ça en a l'air. J'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Je pense que Waltz a mis le courant d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi il ferait ça? Il a jamais aidé personne. Pourquoi il remettrait le courant pour tout le monde? T'es sûr que c'était lui? Il a utilisé la clé du GRE dans l'usine de voiture. Je pense que c'est là que tout s'est allumé. C'est logique. Il y a des années, les militaires ont pris le contrôle de l'usine pour sécuriser les cellules énergétiques sur les collines. Mais je savais pas qu'on pouvait encore les faire fonctionner et alimenter la moitié de la ville. Garde un œil sur cette clé, Aiden. Qui sait ce qu'on peut encore faire avec? On devrait se manier avec la sous-station. Ouais! Enfin, tu ferais mieux de continuer à t'entraîner si t'espères me battre. Je savais pas que c'était une course. C'est toujours une course, Aiden. Oui! C'est toujours mieux que la wingsuit de Far Cry en vrai, hein? Beaucoup mieux, Aiden. Mais faut que tu contrôles le vent. Sinon, c'est lui qui te contrôle. Oui. Ok, à partir de là, on n'est pas loin du tout de la sous-station. Vas-y, active-la. Quoi, tout seul?
T'es un grand garçon, tu trouveras. Il y en a une autre près du métro. Je vais vérifier celle-ci. Si on arrive à faire fonctionner l'une ou l'autre, ça veut dire qu'on peut toutes les activer. Mais je fais comment pour l'activer ? Aiden, c'est pas une science exacte. Les systèmes sont assez vieux. Il va falloir s'assurer que les fusibles et les câbles fonctionnent bien. Ah, il y a un 119 mètres carrés là à récupérer. Oh putain, je vais aller où moi ? Oh bon dieu, ça va être chaud parce que l'endurance est vraiment basse sur ce truc. On peut le faire voler plus vite ? C'est possible, mais c'est quelque chose qu'il faudra demander à un maître artisan. Ah, faudra que je l'améliore chez un maître artisan quoi. Bon, allez, rien à foutre moi, je vais à pied, ça ira plus vite. De toute façon, c'est une station de métro, donc techniquement c'est sous terre, pas besoin d'être en l'air. Hein. Alors, on a trouvé une anomalie du GRE, ok. En tout cas, faudra que j'aille quand même farmer en vrai. Parce que sinon, ça risque de devenir un petit peu dur pour moi. Allez. Ouais, allez, hop. Oui! C'est parapente. À l'époque, c'était le jouet préféré du traceur nocturne. T'es un traceur nocturne? Moi? Traceur nocturne? J'aimerais bien, putain. Ces gens, c'était vraiment quelque chose, Aiden. Des héros. Le seul truc que j'avais en commun avec eux, c'était la drogue. Mais peut-être un jour. Ouais, c'est pas mal, la drogue. Toujours bien, la drogue. D'inhibiteur à proximité. Hé, hey, toi, t'as vu des signes de renégats dans le coin ? Non. Tu vois, soldat ? Calme-toi et laisse Aglotte réfléchir. À quoi bon ? Pourquoi ne pas retourner à la base ? Mais qui t'es, toi, d'ailleurs ? Quelqu'un qui propose son aide. Je vais vérifier ce qui est arrivé au courant. Vous savez quelque chose à propos de ça ? Ce sont des informations militaires top secrètes. On veut juste savoir comment aller là-haut. Vas-y, dis-lui tout, pourquoi pas ? Jusqu'au moindre détail. C'est quoi le grand secret ? Hein ? On doit faire marcher ce merdier, c'est ça le secret. Mon collègue simplifie beaucoup trop les choses, mais l'essentiel est correct. Il y a des signes évidents du retour de l'électricité. Ici, nous avons ce qui semble être une sous-station. Les sous-stations sont capables de faire circuler l'électricité dans toute la ville. Nous avons l'ordre de refaire fonctionner ce bâtiment. C'est-à-dire de le rallumer. Malheureusement, sans matériel d'escalade, nos possibilités d'accès sont sévèrement limitées. Vous voulez du courant pour les pacificateurs ? Vous allez en faire quoi ? Brancher des trucs ? Qu'est-ce que tu crois ? Le monsieur ici présent doit se demander quel serait l'effet sur les autres personnes si le contrôle du pouvoir était entre les mains des pacificateurs. La réponse est cependant relativement simple aussi. Quiconque contrôle l'électricité contrôle la ville. Ok. Dans tous les cas, j'ai pas besoin d'équipement pour monter là-haut. Je peux grimper là-haut sans équipement. Vraiment ? Tu rendrais un grand service aux pacificateurs. Les connards en uniforme ! L'électricité fait sortir tous les papillons de nuit qui te demandent qu'est-ce qu'il vient de dire. Je pense que c'était un truc à propos de sa mère et d'une chèvre. Abruti de pacificateur. On va prendre cette électricité. Merci beaucoup. Tuez-les. Personne va les grailler après ça. Oh là là. Allez, c'est hors de la douille. Bah alors, Renegar, on a un problème. Attendez, je l'attaque par derrière, moi. Gang bang, gang bang, gang bang. T'aimes ça, mon petit Renegar, hein? Ouais, hein. C'est plus en deux de la tête, hein. Vortache.
Est-ce que je peux avoir sa hache? Et toi, mon pote? Qui t'a appris à te battre comme ça? Je m'appelle Aiden. Eh les gars, vous la connaissez celle-là? Que dit la balle au type qui s'est fait abattre? Boum. Non. Je fais que passer. Tu lui as coupé les membres avec une machette, Nitaf. Techniquement parlant, c'est une arme de mêlée, alors que les balles sont réservées. Content de voir que tu vas bien. Tu veux toujours grimper là-haut, Aiden? Pas gratuitement, bien sûr. On récompense les spécialistes comme il se doit. C'est le moment ou jamais. Si t'as besoin d'aide, gueule un bon coup dans la radio. Aglot, maîtrise d'électronique. Cependant, d'ici, je ne peux pas estimer le niveau des dégâts causés à l'appareil. Aglot, un don pour l'électronique. Bon. On doit monter. Ok. Déjà, si je pouvais essayer de monter ça, ce serait déjà pas mal. Bon, on a déjà plus d'endurance, c'est cool. Est-ce que je peux monter là-dessus et aller sur le petit truc en haut et... Ça ira pas. Oula. Ça a l'air tendu là quand même hein. Oh sérieux, je peux pas atteindre ça. Et hop. Oula, j'ai le bras qui fait du clipping là. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Je suis entré. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un était très pressé quand ils l'ont mis hors ligne. Je suppose que le circuit principal a été coupé. Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émetteur. Ça devrait rétablir le circuit. Voilà, appuyez sur 1... Une fois... Ok, donc faut que j'aille activer le 1. Il y a un truc en bas. Aiden, au rapport. Ouais, je suis au sommet de la sous-station. J'essaie de connecter le courant à l'émetteur. C'était pas une partie de plaisir ici après tout. T'es sûr que tu vas y arriver? J'ai rencontré des pacificateurs qui pouvaient pas se rendre eux-mêmes à la sous-station. C'est pour ça que tu m'as pas encore appelé. Tu devrais les voir. J'ai du mal à me décider sur celui que je préfère. Tu sais que ça va te coûter cher, hein? Les pacificateurs, ils sont corrects, mais ils sont pas du genre à aider les gens par bonté d'âme. Je saurais même pas quoi faire s'ils étaient pas dans l'équation. En plus, ils sont en bas et c'est moi qui suis en haut. Choix difficile, hein? Je leur donnerai pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont leurs propres hommes. Et qu'en est-il des gens libres? Quelqu'un devrait être de leur côté. Qui d'autre si ce n'est des gens comme nous? Je vais y réfléchir. Prends pas trop de temps, Lamba. Attends, quoi? Alors moi, j'ai déjà fini ici et toi, t'es en train de faire le con là-bas. Toujours en compétition, hein? Attendez. Je dois rebrancher le 1 sur le 1, je suppose. Ok, c'est ça. Je vais aller là. Ok, ça marche pas. Donc, à mon avis, je dois passer par-dessus. Voilà. Drôle de façon de remettre des câbles, en vrai. Alors, le 3, je suis sûr qu'il est tout en haut. Mais le truc, c'est qu'on va trouver le 2, du coup. Le 2, il était où? Ah, un petit crochetage, là. Ok, c'est sur la droite. Parfait. Il est où, le 2, d'ailleurs? J'ai pas... Encore plus haut.
Effectivement, le 2 est encore plus haut. Verrouillé de l'intérieur, ok. Il faudra peut-être que je trouve un moyen de le déverrouiller. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Ah, des pilules. Oh putain, le 2 est ici. Mais j'aurais jamais assez de câbles. Il fait 5 mètres carrés, il fait 5 km le câble ici. 32 mètres. Ouh ! Tout juste. Voilà. C'est marrant, mais je ferai pas ça tout le temps, ouais. Sans mentir, c'est... C'est fermé de l'intérieur, magnifique. Y'a tout qui est fermé de l'intérieur ici ou quoi? Vous allez voir que le 3 il est là-haut. Putain, il est où le 3? Moi, je peux peut-être te faire ouvrir les portes. Nice. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben, il y a le 3. Ok. Bon, ben, ça va déjà me poser un énorme problème. Comment est-ce qu'on va? Ah putain! Comment est-ce qu'on va faire pour le remonter lui? Je pourrais passer par là peut-être. Ah, y a pas un petit truc non? Putain, on va voir. Hein. Parfait. C'est branché. Ensuite, active l'unité de contrôle dans la salle de commande. J'y vais. Ton aide est une contribution importante pour rendre cette ville plus sûre. Je voulais juste te dire ça pour que tu te sentes apprécié et que tu comprennes à quel point c'est important. Ok. Merci. Enfin, j'imagine. J'allais dire. C'est quand même marrant parce que là on est dans full, on est full noir et pourtant. Oh! Je m'en fous qu'on ait l'inhibiteur en premier. Ah oh, ouais. Ouais, ouais. On va ouvrir ça. Allez, on remet le courant. Pas mal du tout. Pas mal. Pas vrai, Aglotte? Je dirais même optimal. Tiens, ton paiement, comme convenu verbalement. Ce fut un plaisir de collaborer avec toi, Aiden. Pareil. Prenez soin de vous. T'as réussi. En colère contre moi? Non, c'est ton choix. Et je sais pourquoi. Mais si c'était moi, je serais pour les gens libres sur toute la ligne. Il y a beaucoup de sous-stations. Si on pouvait toutes les faire fonctionner. On peut d'abord aller au Fisheye et... Ouais, bonne idée. Retrouvons-nous à la cantine. Je t'attendrai là-bas. Ouais.
Tiens, du coup, vu que maintenant on peut se téléporter, soi-disant, là, comment est-ce qu'on fait? Ah ouais, effectivement, il y a bel et bien des voyages rapides. Intéressant, intéressant. Oh putain, c'est loin le fisheye, hein. Du coup, va falloir faire du farm pour tout débloquer. Mais je ferai pas ça après cet épisode-là, je ferai ça après le suivant. Oui! Bonjour, dame zombie! Compteur inhibiteur dans la zone, sérieux? Ah, il y a un campement! De toute façon, vous imaginez bien que je vais tout mettre. Oh merde! Ah, mais ça ne les tue même pas! Ah, mais je suis déception, ça les flingue même pas! Je pourrais en activer quelques-unes. Ouais. Faut peut-être pas tout donner au pacificateur. Si. Je compte bien tout donner au pacificateur, moi. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Tu crois quoi, meuf? Rien à foutre du monde libre, moi. Moi, je dis vive les pacificateurs. Ce sont des bros. Bonjour. Quand j'arrive en ville, parler à Lowan et se faire un petit kawa. Dégage de là. Je viens de vous remettre le courant, on me dit dégage de là. Et vous voulez que je mette le courant au monde libre? Niquez vos mères. Lawan, t'es là? Lawan, je vais y jeter un œil. J'ai l'impression de retrouver l'ancien monde. J'ai t'arrêté là. Vous avez vu Lawan? Ouais, je la vois tout le temps. Ah, attends, tu veux dire, genre, aujourd'hui? Désolée, j'ai tout mélangé dans l'excitation. Désolé, vous avez vu Lawan? Hé, hey, tu vois pas qu'on discute? Donc t'es un pacificateur, hein? Oui, mais comme je le dis, personne ne sait qui a allumé la lumière. Et quand ça revient dans d'autres quartiers, soyez patient. On fait tout ce qu'on peut pour le savoir. Je cherche juste une amie. Lawan, t'es sûr de savoir quoi faire si tu chopes cette tigresse par la queue, hein? De toute façon, elle est probablement quelque part dans le champ. Mais tu peux demander au bar. Hey, je cherche Lawan. Vous savez où je peux la trouver? Elle était là il y a pas longtemps. Bouc. Tu t'es pas cassé le cou? Bien. C'est lui, le gajo dont tu parlais. Dania, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais? Et en mal ou en bien? Des trucs trop bien, Gajo. Je peux voir que Lawan t'aime vraiment beaucoup. Tu poses un doigt sur elle, tu lui fais du mal, petite merde, et je te retrouverai. Je t'enfoncerai une pique dans le cul, et je donnerai ton cadavre à manger aux virulents. Danior, dégage, espèce de crétin! J'y fais pas confiance, c'est un inconnu. Rien d'autre que des problèmes. Sérieusement, t'es jaloux à ce point, Danior? On n'a jamais été ensemble. C'est compris?
De quoi tu parles? Que les amis de Lawan sont mes amis. Tanner dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres sous-stations. La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. 15 ans, ça laisse des traces. Atrophie musculare nestruite. Les muscles non sollicités dépérissent. Allez, la chambre de Frank est là-bas. Essayons de comprendre pourquoi Waltz l'a allumé pour commencer. Bien parlé, Gadjo. Tu ferais bien de faire gaffe. Qu'est-ce que tu fous encore là? Il paraît qu'il y a des tunnels secrets dans le métro. Est-ce qu'on y va? Un truc sur Frank. Tu vois tous ces gens? N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge. Mais pas ici. Parce qu'ici, ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Frank. Il le respecte parce qu'il était traceur nocturne. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Sans le soutien de Frank, je serais pas là. Et tu serais où? En zone sombre, un mordeur. Ou dans un repère complètement défoncé. Frank nous aidera. Tu peux compter sur lui aussi. Fais-moi confiance. Prêt? On y va. Ne fais pas marcher, Ravik. Frank? Ils nous ont massacrés. Un par un. Comme des foutus lapins. Frank! Frank, c'est moi! Réveille-toi! Toi? Qu'est-ce que tu fous ici, putain? T'interromps ma conversation avec... Ravik est mort depuis des années. Reprends-toi, Frank. Tu as de la visite. Et qui c'est, ça? La putain de reine d'Angleterre? Faut que je fasse dans la délicatesse, maintenant. Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. Waltz l'a utilisée pour établir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne? Vous racontez n'importe quoi. Montre-la lui. Où t'as eu ça? Sur un des hommes de Waltz. Donc t'es un des hommes de Waltz aussi? Doucement, Frank. Aiden est de notre côté. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Ah, donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Waltz a bousillé ton enfance? Ok. Je vais te dire, prêt? Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton Arche d'Alliance tout en un, Lawan. Heureuse? Aiden, c'est ça? Lawan et toi, vous pouvez vous tirer maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. On n'a pas terminé, Frank. Elle contient des informations sur quelqu'un que je cherche aussi. J'ai besoin de savoir comment la lire. C'est une putain de clé, pas un journal intime. Tu peux l'utiliser pour ouvrir les portes, démarrer l'électricité. Mais elle est inutile toute seule. T'as besoin d'un endroit pour la mettre. Et avant que je te dise où tu peux la mettre, dégage. Tu me fous mal à la tête. Ravik. Putain d'enfoiré. Pourquoi t'es revenu pour cette mission? Tout est parti en vrille, tellement de gens. Tellement de gens merveilleux. Lawan dit que t'es le seul à pouvoir nous aider. Lawan a tendance à trop parler. Et tu sais quoi? C'est surtout des conneries. C'est une junkie que j'ai ramassée dans la rue. Tu comprends? Tu me crois pas? Demande-lui. Elle te racontera tout elle-même. Alors qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit allé à ce niveau? On était dans la merde de toute façon. Et jusqu'au cou. Peut-être que cette tour n'a pas été gagnée et ne sera pas gagnée, tu comprends ça? On va tous mourir, putain, et puis ce sera cool. Tu vas la fermer aussi. J'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser m'envoyer balader comme ça, Frank. T'as fait tout ce chemin pour me parler? Eh ben, ça me fait une putain de belle jambe.
Bravo. T'es un plus gros tocard que moi. Maintenant, fous le camp d'ici. Tu vois ça, hein, Ravik? Il arrive à me faire chier autant que toi. Ferme-la. Ça veut pas dire que tu peux parler. Putain, Ravik. Arrête de trouver des excuses à ce traître. Qui nie ce qui s'est passé? Franck, bon sang! Reviens! Dégage, gamin. Et en te cassant, prends Lawan avec toi. C'est fini pour moi. Lawan, on n'a plus rien à faire ici, allons-y. Walt s'est mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années. Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme. Et t'en as rien à foutre. Franck, putain, mais reprends-toi! T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs nocturnes. Est-ce que tu t'en souviens, au moins? Ce Franck-là est mort, Lawan. Il est mort avec les autres à la station télé. Pourquoi Waltz remettrait le putain de courant? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, c'est que... je sais pas du tout où en trouver. Et ceux qui le savent... sont sans doute morts depuis longtemps. Mais... la bonne nouvelle, c'est qu'on sera probablement morts, nous aussi, assez rapidement. Santé. Maintenant... foutez le camp de mes quartiers. Putain d'ivrogne. T'entends ça? Putain, il se passe quelque chose. Tu vérifies? Je suis derrière toi. C'est impossible! On a besoin d'aide! Où sont les pacificateurs? À toutes les unités, des renégats dans la boucle centrale. Je répète, des renégats sont dans le centre. Ils encerclent le fisheye. Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Sortez de là, Mira. Putain d'alcoolique! Oui, mais t'attendras, j'ai des gens à flinguer là! Vas-y, c'est pas se passer comme ça, regarde. Moi, je viens aider les boys. Il se passe quoi? Oh putain, je sais pas si j'ai pris le bon chemin, fais chier! Par où on monte? Putain de merde! Ah, vite! Allez! Allez, Aiden, fais-moi rêver! Allez, Dan! Ah, c'était moi une. Aiden, il y a plus de renégats au niveau inférieur.
Alors, des renégats au niveau inférieur. Comment on va au niveau inférieur maintenant que je suis tout là-haut? Putain, je peux pas sauter, bien sûr. Vous allez me dire qu'il n'y a aucun moyen de... Voilà, si ça passe pas par contre... Attendez, il est où l'enfoiré avec son arc là? Putain, c'est trop long! Ouais, t'as cru. Barnier, ouais. 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 Encore? Putain, vous êtes pas chiant avec vos canons, hein? J'espère qu'il y aura assez d'endurance là. Allez. Allez hop, on descend. T'as allé où le truc? Trop nombreux! Oui, je sais bien que je vais mourir. Putain, j'ai besoin de farm, je crois. C'est bon. Ils sont à l'intérieur du fichage. Ils sont francs. Ils ont bloqué la porte. Je peux pas entrer. Oh merde. J'arrive. Ah, faut que je descende. Et vite. Grouille. J'arrive! Ok, à trois. Un, deux. Lâche-le! Y'en a un sac qui est bougé! Lâche-le! Aiden, attends! Tout le monde va bien? Vérifiez qui a besoin d'aide et faites venir des médecins. Et assurez-vous qu'il y ait plus ces putains de renégats dans le coin. Oui, commandant. Toi, ça va?
Jack Allez, Frank. Tu vas bien? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles? Hayden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars. Fouillez la zone. Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont HS depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Hayden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider? Lawan, c'est ton ami? Hayden? On peut dire ça. J'ai jamais entendu parler de toi, Hayden. Tu viens d'où? Je suis un pèlerin. Je viens d'en dehors des murs. Donc t'as vu beaucoup de choses? T'es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant, et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Heureusement, ils ont échoué et nous avons tenu notre position. Mais les combats continuent. On perd des gens. J'ai également perdu contact avec le nouveau commandant, Aitor, et son unité. Toi, tu sais quelque chose? On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisé et s'est échappé. Quoi? Où ça? Dans les tunnels, près de l'usine de voitures. Walt a décimé l'équipe d'Aitor, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culver et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est? Des ordres, pour lui et les autres unités. Bougez-vous, les gars, c'est parti! Viens dehors. Discutons. C'est sympa de laisser les cadavres dehors, enfin à l'intérieur plutôt. Quand un ennemi se dirige vers vous, appuyez sur F et indiquez. La direction 1. Un grappin réussi des... Ah mais j'ai pas le grappin. C'est quoi ça? Effectue une attaque puissante dans les airs. Ouais mais moi je veux le super coup de pied. Je veux ça moi. Nation couteau. Pendant une parade. Appuyez sur V pour exécuter cette action. Ça pourrait être sympa ça en vrai mais... Ah, l'arc, je l'ai pas encore. Ajouter de la force à votre pied. Faire voler les ennemis. Ouais, mais je déteste cette compétence parce que... Parce que c'est trop random, quoi. Le personnage, il part dans tous les sens quand on le fait. C'est casse-couille, quoi. Nécessite un couteau. Oh, ça peut être... Ouh, oui. Quoi? Appuie sur Caps Lock. Mais vous êtes sérieux? Vous aviez pas une autre touche pour mettre cette compétence? Bon, allez mes petits loulous, moi je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la oui attitude, comme d'habitude sur le plus. Vos gars sont vous conseillez avec sous cette dicton, je vous laisse, je vous fais plein de poutou partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So ciao, bye, bouti, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.